Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des légumes carbonara. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, on a ici du jambon Gonda, une courgette, un petit peu de parmesan, des haricots mange-tout, un petit peu de beurre salé et 3 œufs. Pour la découpe et la cuisson des légumes, on va prendre la belle courgette. Ici, on essaie d'être le plus long possible. Regardez. Voilà, et on obtient quelque chose comme ça. Donc ça va assez vite, c'est assez facile. Donc on peut aller jusqu'à ce qu'on voit le cœur de la courgette. Maintenant, on va passer au mange-tout. Alors les mange-tout, c'est simple. Vous les prenez, vous les rangez sur votre planche. Et puis là, on vient simplement les émincer. Voilà, et là, on a tout coupé. Donc on a vraiment notre mélange de légumes. Alors, ce qu'on va faire ici, juste avant de cuire les légumes, on va prendre le jambon Gonda et on va prendre les tranches une par une. On va les disposer ici dans la poêle. Hein, on ne va pas rajouter de matière grasse, surtout pas. Et on va venir les faire croustiller, comme on ferait par exemple pour de la pancetta quand on fait des véritables pâtes carbonara. Donc le but, c'est pas bien sûr de le dessécher. Le but, c'est simplement de le faire juste légèrement et rapidement croustiller. Voilà. Là, on peut couper le feu ici. Pendant ce temps, notre eau bout, on va verser en une fois les légumes. Seulement pendant une petite minute, ça suffit. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, comme pour les pâtes, de l'eau de cuisson, hein, qui a déjà pris le goût des légumes. Donc là, on coupe le feu. On va tout de suite passer, comme si on passait des pâtes, en fait, tout simplement. Maintenant, on va reprendre ici notre petit saladier. On va mettre les 3 jaunes d'œufs. Donc ici, les 3 jaunes à l'intérieur du récipient. On prend une cuillère, l'eau de cuisson, et on met 1, 2, 3 cuillères. Le parmesan, et là on va venir râper l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir fouetter et juste émulsionner la préparation de façon à pouvoir venir lier les pâtes. Voilà, et quand on a bien mélangé, on vient tout de suite verser à l'intérieur les légumes encore chauds et on mélange comme on le ferait pour des spaghettis, tout simplement. Et donc on vient lier les pâtes avec le jaune d'œuf, le fromage et le jus de cuisson. Et terminer avec les petits croustillants de jambon. Donc maintenant que vous avez la technique, n'oubliez pas de réaliser vos propres recettes. Vous les prenez en photo, vous les détaillez bien, vous nous les envoyez et on les publiera certainement sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit!